Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'un let's play sur Pokémon Jaune. Du coup voilà, et je profite pour dire que je reprends un rythme régulier de vidéos parce que j'étais en plein déménagement, c'était le bordel et tout, du coup voilà, je reprends un rythme régulier de vidéos. Donc, voilà. Et alors bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est chiant. Les gens souvent m'appellent le prof Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom, jeune homme? Sacha. Et ton nom est donc Sacha. Voici mon petit-fils. Il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi son nom déjà? Il est sénile, le vieux professeur Pokémon. Ah oui, je me souviens. Son nom est Régis. Sacha, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue. Bon, je vais commencer par prendre une potion. En fait, ce que je savais pas quand j'ai commencé le jeu sur Game Boy, en même temps j'avais 6 ans à l'époque, en 99, c'est qu'on. Et que j'ai vu sur internet plus tard, c'est qu'on peut récupérer une potion dès le début du jeu. Et ça, c'est très utile. Du coup, voilà. Bon, il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison. C'est la vie. Le professeur Shen te cherche. Il est dans sa maison voisine. Tu connais le professeur Shen, il est dans ton village depuis des dizaines d'années. Non, excusez-moi, j'ai des renvois. C'est à cause du jeu tellement qu'il est bien. Salut Sacha, Régis est dans le labo de Pépé. Ah, ça fait mal aux yeux quoi, c'était vraiment mal fait à l'époque, ça a mal vieilli quoi. Mais c'était culte. Hé, hey, Sacha, Pépé n'est pas là. Je suis venu parce qu'il va me filer un Pokémon. Là, quand je tourne cette vidéo, c'est le dimanche de Pâques. Demain, c'est lundi de Pâques. Et toi, ne pars pas. De justesse, ouf. Des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est le dimanche de Pâques. Du coup, je vais vous souhaiter un bon lundi de Pâques à tout le monde, à tous mes abonnés. Et je ferai un live très prochainement, genre la semaine prochaine ou... Fou! Des Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Tu as besoin d'un Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi, viens par là. Viens par là, Coquinou. Ça fait peur, hein. Un vieux de 40 ans qui dit un petit de 10 ans vient par là, avec la musique en plus. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Quoi? Régis, pourquoi es-tu là? Déjà là. Je t'avais dit de venir plus tard. Enfin, pas grave. Regarde Sacha, vois-tu cette balle là-bas? On appelle ça une Pokéball. Elle contient un joli Pokémon. Tu peux l'avoir, vas-y, prends-la. Ben, Pépé, mon Pépé, moi. Patience, Régis, tu en auras un tout à l'heure. Allez, c'est pour toi. Le bâtard vient me pousser. De quoi, Sacha? Je veux ce Pokémon. Régis, que fais-tu? Pépé, je veux celui-là. Mais enfin, mais. Bah, c'est que. Ok. Je vais t'en donner un tôt ou tard. Sacha, viens par là. Sacha, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Je sais, j'étais avec toi. Il est pour toi, mais il est encore un peu sauvage. Sacha ressent un Pikachu. Et lui, il a un Evoli à la con. Je vais vous donner un surnom de Pikachu. Mmh.
Régis va se battre. Il va l'avoir, cette putain de guerre, mon colonel. Je vous montre un truc aussi, c'est que je suis le premier gars qui joue sur un émulateur Game Boy avec une manette N64. C'est pour l'immersion sur sur émulateur N64, puisque ça va être compliqué. Quoi? Bah tiens, c'est pas commun. On dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais le garder avec toi. Au moins comme ça tu seras content. Tu peux lui parler et voir s'il commence à t'aimer. Mais il va faire la gueule pour l'instant. Les amis, je vais sauvegarder et ça va être la fin de cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse, les amis. Bon lundi de Pâques et la pêche.